T'en penses quoi? Lasagne. Moi je trouve que clairement il est trop grosse dispute. Donc je tiens à présenter mes excuses ici. Just going home. Have a late late show. Ah ah! Coucou tout le monde! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, on se retrouve avec Alishai. On a déjà fait une vidéo il y a longtemps ensemble, je m'excuse pour ma tête. On filme avec sa caméra et je sais pas, il y a un problème de visage. Mais genre, c'est horrible, on dirait que j'ai une tête toute allongée. Donc aujourd'hui, on va faire un mukbang. On en fait tout le temps. Attends, c'est laquelle? Oui, c'est celle-là. Alors, pour vous montrer ce qu'on mange, on mange des haricots rouges, des nuggets et. Enfin, des sortes de nuggets végétariennes et du riz. Oh, j'ai enfin goûté les nuggets végétariennes. On va parler de sujets, on va répondre à vos questions. On va un peu vivre notre meilleure vie parce que vraiment nous on est des commères. Merde, oh putain, ça commence mal. On va encore parler sur des jeux. On adore, merde c'est déjà froid, on a mis tellement de temps à se préparer. On adore parler, on adore raconter nos vies et donc bah c'est parti. Première question, pas de question mais je vous adore, merci c'est gentil. Ouais, c'est quoi que je suis inclus dedans? Bah je vous, genre c'est pas moi. Mais... Ah. Thème Queen le chante. Alors... On connaît pas beaucoup, surtout c'est, moi. C'est attends, t'as ton nez, il est orange. Fais ça. J'ai un peu honte de vous le dire, mais je ne connais presque pas de chanteurs. Et genre, je connais pas vraiment. Moi, je connais deux noms, mais je connais pas trop. Non. C'est pas grave. Bref, je suis vraiment désolée. Ma culture musicale, c'est. Voilà quoi. Pas ouf. Pas ouf. Ensuite, musique du moment. Ah, attends. Il va falloir écouter. Comment puis-je oublier ce coin de paradis? Je connais pas. Personne connaît, mais j'aime trop. Où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer? J'aime trop, je l'ai envoyé au gars le jour et personne la connaissait. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin. Bah, moi j'aime. J'ai mis la fille du nouvel an. Ça va, j'aime bien. On joue des fausses notes. Se trompe de chemin. Attends, je l'ai pas connu, je suis là. Acheter des tableaux et des vaches. Tu connais ça? Ouais, j'ai déjà entendu un son. C'est sûr, tu connais. Tu connais pas? C'est hyper triste, mais j'aime trop. Non, mais j'aime bien, mais je connais pas. Faites quoi comme études? Vous souhaitez devenir quoi comme métier? Alors on est tous les deux en terminale ES donc on fait pas d'études. Ouais. Bon moi ça se voit mais elle fait plus vieille. Pas du tout. Mais on va commencer par ton projet, après on expliquera lui. J'aimerais beaucoup de travailler dans la communication et l'événementiel, la com, un peu tout ce qui est vendre des produits et tout. Après c'est un secteur qui est vraiment hyper prisé et c'est pour ça que j'essaie de viser les meilleures écoles générales ou des trucs de journaliste assez élevé pour ensuite être sûr de pouvoir rallier ça, mais je sais pas, mais je sais que je veux bosser dans ça et voilà. Et toi? Moi j'aimerais bien faire droit l'année prochaine parce que j'ai une bonne mémoire et genre je sais assimiler des trucs cool et tout, du coup vu que j'adore la magistrature, mais moi je préférerais aller dans la magistrature mais je sais que c'est très dur, le concours d'avocat il est extrêmement dur, le concours de juge il est encore plus dur. Mais je vais aller en droit et mais en fait ce qui est compliqué avec droit c'est que tu sais pas si ça te plaît étant donné ouais. Que tu le fais pas au lycée. Ça c'est un énorme problème mais vraiment enfin je l'entends souvent sur YouTube mais comment voulez-vous qu'on sache ce qu'on veut faire? Même moi je dis que je veux bosser dans le marketing la com et tout mais j'ai jamais fait ça. Ouais. Clairement j'ai jamais fait ça. Donc voilà. Ma conscience. Si tu regardes. Change le. Le thé. Ah. Votre plus grosse dispute et vos meilleurs fous rires. Alors, pour rire, c'est peut-être en Angleterre que des fois on était tellement gênés par la famille qu'on pouvait pas s'empêcher de se rire. C'était barres. Horrible. Il y a une vidéo, genre, je crois que j'ai jamais vu, mais on attendait depuis 20 minutes dans l'entretien avec nos valises et on entendait la meuf qui gueulait, qui parlait mal de nous et tout. Et nous on était là comme des connes. Et pourtant on est polis, hein. Franchement. Ouais, on était hyper polis, mais on comprenait pas forcément tout ce qu'elle disait. Enfin, quand t'as parlé vite et tout, du coup quand t'as parlé à ses enfants, elle parlait vite. Et du coup voilà. Après, voilà. Du coup c'était drôle, vraiment tout était drôle en Angleterre.
Genre même le soir, on arrivait devant nos repas, on se regardait en mode ok, c'est pas grave. C'est horrible. Et genre on rêvait de manger des pâtes. Le dernier jour, elle nous a fait des pâtes, mais elle piquait tellement, c'était mais horrible. Même il y avait de la viande dedans, tu te rappelles? Ouais, j'ai dû tout enlever, je crois. Ouais. Plus grosse dispute. Pas juste qu'on s'est embrouillé. En fait, on s'est jamais vraiment. Ok, j'ai une histoire. Non, c'est pas ça. Ouais. Bah non, attends, ok, bah. Non. Alors, je vous explique. Cet été, Alizé était en voyage en Angleterre. Et donc. Ah oui. En gros, j'ai tenté de trier mes cahiers. Et c'est vrai que la nana, je me disais, c'est pas une dispute. Non, mais c'est quand même drôle. Oui. Et donc, j'ai tenté de trier mes cours d'histoire et je voyais qu'ils avaient aucune tête. Donc, je lui envoie, est-ce que tu comptes garder ton cahier d'histoire? Genre, en mode, si tu veux le jeter, donne-le-moi à la place. Genre, le jette pas parce qu'il y a des gens, ils jettent leur cours. Et là, il commence à s'énerver. En fait, non, mais là, je suis dans une terre, je suis overbookée, donc je peux pas t'envoyer mes cours, j'ai même pas mon cahier. Alors qu'en vrai, je demandais pas ça. Genre, je lui demandais juste si elle comptait garder son cahier pour l'année prochaine. J'ai fait un peu même. Genre, j'ai plein de choses à faire. Là, tu vois, je suis dans un parc. Et en plus de ça, moi, c'était juste que j'étais au bout de ma vie. Genre, ça faisait 3 heures, j'attendais, j'avais mal aux jambes, j'avais faim. Je voulais aller au McDo, c'était fermé ou c'était blindé, je m'en rappelle plus. Du coup, voilà. Ce qui m'avait drôle, c'est que tu comprenais pas du tout ce que je disais. T'as commencé à te dire. En fait, je crois que j'ai même pas cherché à comprendre. Désolée, en plus, je lui ai répondu. Je me rappelle lui avoir répondu hyper sec. Genre, vraiment. Mais ça va, je vais me défendre. Mais sinon, c'est jamais vraiment brouillé. Non, franchement, non. Genre non. Ça c'est l'amour. C'est ça. Beau. Votre plus gros fantasme à deux. Je crois qu'on va parler. C'est trop bizarre. Caroline et Safia. Ok, on se connaissait pas quand il y a eu l'embrouille. Ouais. Enfin, franchement, on se connaissait mais on se parlait pas. Qu'est-ce que tu penses de... Bah moi je pense que c'est une embrouille genre tellement gamin. Genre après vraiment je comprends. Parce que quand t'as des projets à deux, même si t'es meilleure amie et tout, ça peut détruire des amitiés. Parce que... Je trouve c'est hyper triste. Chacun a sa petite idée. Et genre tu vois bien maintenant elles se parlent plus du tout alors que de base elles étaient tellement amies, genre elles ont chacun leur bébé et elles se parlent. Le problème c'est genre même elle a voulu supprimer son tatouage et tout et je trouve genre après je trouve qu'on peut pas forcément leur vouloir parce qu'à partir du moment où il y en a une qui a commencé à en parler, bah genre c'est obligé qu'elle réponde et qu'elle se défende. Elles ont pas réagi de la manière la plus mature. Après je trouve que maintenant genre Safia elle est carrément au-dessus de Caroline au niveau de ses vidéos. Moi je l'aime pas trop Safia. Bah tu vois c'est spécial mais genre il y a vraiment un truc derrière, une identité. Alors que Caroline elle a voulu juste garder la chaîne et continuer à faire la même chose. Moi après je j'aurais dû quitter la chaîne toutes les deux. Ouais moi aussi je pense. Parce que vraiment et même Safia elle peut en grave en vouloir à Caroline parce que du coup Caroline elle a gardé la chaîne et gardé les abonnés. Non mais finalement c'est encore une histoire d'argent quoi. Ouais. Suite. La lasagne. Là, la Sani, moi je trouve que clairement il est trop visé par tout le monde, c'est abusé. Genre vraiment. Carrément. Enfin, il peut faire ce qu'il veut. Enfin, surtout que à l'heure où on parle en 2018, il y a quand même des choses qui ont été démocratisées, on va dire. Et je trouve ça dommage qu'il y ait autant de gens qui l'attaquent, surtout sur Twitter. Moi, Bilal, c'est genre, je trouve qu'il est très bien. Ouais. Il joue, mais en fait, c'est un personnage. Enfin, je pense que les haters vous lui donner juste de la force parce qu'en fait, il a tellement augmenté grâce aux haters. Après, bah, ça montre, je pense, c'est le bon exemple qui montre que quand t'es différent, genre, peut-être que tu perces, mais. Ouais, mais je trouve ça un peu abusé. Destructeur, enfin. Non, mais. Moi, j'adore ce qu'il fait. Les gens qui s'exhibent sur les réseaux sociaux. Qui se quoi? Qui s'exhibe sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire. Genre Madame Make-up et genre. C'est ce que j'allais dire. Bah moi en vrai j'ai rien contre ça. À partir du moment où genre t'es assez grand pour assumer. En fait je pense qu'à partir du moment où tu sais ce que tu veux faire de ta vie, en mode si tu veux bosser sur les réseaux sociaux, y'a rien de mal. Je vois genre dans le mannequinat, personne critique les mannequins Victoria's Secret, tu vois. C'est clair. Donc après bah faut pas que ça devienne trop. En fait, je pense que tant que t'en as parlé avec tes proches, ils sont au courant. Parce que bon. T'aimes pas ça? Si. T'aimes pas, tu peux me. Si, mais je garde pour la fin parce que je préfère. C'est cool. C'est ma soeur, ça. Ça paye bien la YouTube money. Alors, pour vous dire la vérité, je gagne de l'argent avec YouTube. Genre, franchement, je pensais que c'était moins bien payé que ça. Genre, c'est un peu vrai, je trouve, les 1000 vues en euros. Après, je sais toujours pas comment on touche l'argent. Donc, ça me fait juste rire. Je vois que là. Parfois j'ai des euros en plus, enfin des dollars, mais je sais pas comment on récupère l'argent. Je trouve que les youtubeurs qui se plaignent genre de pas gagner beaucoup d'argent, alors après c'est peut-être vrai, mais moi avec peu d'abonnés, peu de vues,
Enfin, je gagne pas du tout beaucoup. Genre, en tout, j'ai dû gagner 60$ depuis cet été. Mais c'est quand même pas mal, tu vois. Genre, ok, ça te fait pas mal. Ça fait genre 45 euros. Ouais. Quel est votre but dans la vie? Ça, c'est horrible. Je sais jamais quoi répondre à ce genre de question. Moi, mon but, c'est d'avoir une grande famille, d'avoir un métier, d'avoir un cheval. Que tout le monde s'entende bien, mais ça en vrai c'est pas possible. Parce que je réfléchissais la dernière fois, je me dis les fêtes de Noël et tout, tu vois, tout le monde dit oui, ma famille elle est un peu éclatée et tout. Je comprends. Non mais moi franchement avoir une grande famille, ouais, ça va être moi, je sais pas. Genre vraiment, genre je veux avoir un bon métier. Genre c'est vraiment un truc, genre avoir plein de projets, genre j'ai grave de l'ambition et tout. Après genre je veux aussi une famille, mais genre je sais pas, mon but d'envie. Déjà j'aimerais bien écrire un livre. J'aimerais bien genre c'est trop beau, moi je vivre, veux un livre. Non mais je sais pas trop, genre j'aimerais bien avoir tu vois la vie de Caroline Receveur. Genre je suis jamais envie les meufs sur Insta et tout, mais je trouve que elle c'est genre grave une inspiration de vie. Ouais. Genre elle est avec son petit mari, elle est pas tout le temps genre en voyage de presse et tout, mais un peu, elle a son petit garçon, elle est super jolie, genre elle publie mais sans être trop genre intrusive dans sa propre vie. Enfin voilà. Genre vraiment, après c'est peut-être que du montrer et tout, mais voilà, c'est un peu goal, ça aussi. Vous connaissez depuis combien de temps? Mais c'est compliqué. Alors en gros, on se connaît depuis la quatrième, parce que moi je suis arrivée en quatrième dans son collège, sauf qu'on n'a jamais été dans la même classe, donc on s'est jamais parlé, donc je la connaissais de vue, j'étais là en mode, oui, Pauline et Julien, ils sont ensemble. Ah bon? Ouais. Moi t'étais la meuf qui portait son... C'est un truc de cheval. Elle s'est quand même ramenée avec sa... Franchement, j'ai beaucoup changé depuis le collège, j'ai eu un petit glow up. Et il faut savoir qu'elle, elle faisait des vidéos quand on était en 3ème, 4ème, et genre moi personne savait que j'en faisais. Et donc, elle c'était un peu la youtubeuse du collège. Et moi je regardais ses vidéos et j'étais en mode genre, je faisais genre... Au début je sais pas comment je suis tombée sur tes vidéos, mais je savais pas que t'étais... Genre dans mon collège, enfin je sais pas trop. Et un jour genre elle arrêtait pas de s'abonner, se désabonner de moi, et je lui ai envoyé un message. Je fais ouais, tu peux arrêter de faire ça. Je me rappelle. Mais j'ai jamais retrouvé mes messages, je voulais les retrouver. Et c'était notre seul échange. Après en seconde tu m'aimais pas. Bah je me souviens qu'en sport on a parlé une fois, et j'étais en mode ah bah enfin genre elle est gentille et tout. En fait personne ne m'aimait dans la classe. Bah après tu vois j'étais pas non plus Non, en seconde c'est un peu éclaté dans la classe. Ouais franchement on se parlait pas trop et tout. En première au départ on se parlait pas. Enfin genre si mais... Et au mois de décembre, on a commencé grave à se parler. Ouais, ouais, c'est ça. Genre, au début, on se parlait pas trop et tout, parce qu'il y avait vraiment des petits groupes. Ouais. Et après, on a commencé à mélanger les groupes. Et voilà, c'était cool. Et après, on a vraiment commencé à se parler à partir de l'Angleterre. Ouais, c'est ça. Donc, avril. On est vraiment devenus potes. Pour vous demander une petite anecdote de bouche-trou, c'est-à-dire qu'on pouvait pas... De quoi? De bouche-trou. Attends. En gros, en Angleterre, on pensait se mettre avec genre des gens qui étaient dans l'autre groupe. Sauf qu'en fait, on a appris qu'on pouvait pas. En plus, c'était con parce qu'en vrai, ça changeait rien. Et donc, je devais être avec Noémie et tout, et je pouvais pas être avec Noémie. Et à cette époque-là, on se parlait pas trop. Et genre, toi, c'était un bail pareil. Genre, il y en a une de nous deux, je crois que c'est toi qui aime bien. C'est parce que je vais dans les toilettes. Tu m'as fait. Ouais, ça te dit, on se voit ensemble et tout. J'étais ok, sinon je suis avec personne. Moi, c'était pareil, du coup, j'étais trop contente. Et donc, finalement, bah, ça s'est bien passé. Voilà. Unis dans la galère, c'est ça. Unis dans les matelas plein de pipi. C'est ça. Attends, je crois que c'est tout. Je crois qu'il n'y a plus de questions. On va clôturer. On va clôturer. Ok. On espère que cette vidéo vous aura plu. Et N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, voilà. À suivre Popstrip sur ses réseaux sociaux. C'est ça. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est pas possible, meuf. Attends, faut qu'on fasse une...